Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On a le plaisir maintenant de vous présenter une nouvelle série d'émissions qui a comme thème Métamorphose. Et pour cette série d'émissions, Martin Lébreux va m'accompagner. Salut François. Salut mon cher Martin. Alors Martin, j'aimerais que tu nous dises d'emblée qu'est-ce que ça veut dire Métamorphose. Où on veut aller avec ça? On s'en va. Bien, l'image qui décrit le mieux une métamorphose, je pense, c'est la chenille qui devient un papillon. Le dictionnaire nous décrit comme une transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. Une chenille qui devient un papillon, c'est plus beaucoup reconnaissable. C'est un sujet qui a été populaire beaucoup dans les dernières années, 10-15 ans. Puis on a vu beaucoup d'émissions au sujet de la métamorphose. Hein. On voyait des émissions de rénovation où on prenait une maison pour la rénover, la métamorphoser. On pouvait prendre une pièce, la cuisine, la salle de bain. La cour, on faisait des la cour aussi. Il y a même eu du relooking hein, pour changer le physique, la chevelure. Alors, c'est quelque chose qui a été populaire partout dans le monde en passant. Ah, oui. Puis je pense que c'est populaire parce que c'est l'idée d'aller prendre quelque chose d'ordinaire, à la rigueur laid, pour l'amener merveilleuse, hein, pour la transformer en quelque chose de merveilleux. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette série-là, Métamorphose, parce que c'est exactement ce que Dieu fait. Il va chercher quelqu'un, des personnes comme nous, ordinaires, pécheurs, perdus à cause du péché, et il veut nous transformer. Hein. Il veut premièrement nous sauver, nous faire naître de nouveau pour qu'on puisse être justifié devant lui, avoir la vie éternelle, mais il veut aussi nous transformer. Nous façonner jour après jour, changer notre façon de voir, de penser, même notre façon d'agir. Alors, c'est pour ça qu'on a ce sujet de la métamorphose. Bon, ça, c'est bien expliqué. Merci, parce que vous voyez peut-être les décors derrière moi, des poteries. Vous avez vu dans l'intro aussi certaines poteries. Vous allez voir les témoignages qui vont faire suite dans la série. Ben, ils ont été enregistrés dans un atelier de poterie. Et l'idée, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu utilise l'image d'une motte de terre et qui est transformée. Dieu est le potier et l'homme, l'être humain, l'argile. Et c'est pour ça que vous voyez ces décors-là et c'est cette idée que Dieu transforme. Mais en parlant de métamorphose, Martin, bien, on a posé la question dans la rue. Que veut dire métamorphose pour vous? D'après l'étymologie, c'est changer de forme, se transformer, prendre une autre forme. Bien, c'est non, peut-être plus que superficiellement, vraiment changer, vraiment. Changement, que ce soit physique ou psychologique. C'est un gros changement, bien sûr. Métamorphose, c'est on change tout. On se transforme, je sais pas, là, la liste des synonymes. Je me suis métamorphosé. J'ai arrêté de fumer depuis 2 mois, puis ça m'a vraiment transformé, mais transformé sur tous les points, économiquement, santé, tout. J'appelle ça une métamorphose, ouais. C'est un changement radical, en fait, hein, d'une situation. Là. On n'a qu'à penser aux chenilles et aux papillons, c'est une métamorphose. Quand quelqu'un y arrive de quoi dans sa vie qui change, qui bouleverse sa vie, comme un accident, une maladie, oui, ça, oui, une métamorphose. C'est passer d'un état à l'autre et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça insigne un petit peu divin, métamorphose, c'est se rendre meilleur, toujours essayer de faire mieux. Alors, Martin, ta réaction sur les réponses? Bien, il y a plusieurs réponses intéressantes. Et quelqu'un a mentionné que c'est pas un changement superficiel. Hein? C'est un gros changement. Il faut vraiment, vraiment le changer. Puis un autre a dit, c'est se rendre meilleur. Puis j'ai l'impression que ça va pas ensemble. Bon, oui, certainement, on peut se rendre meilleur, on peut faire quelque chose par nous-mêmes, changer des choses. Mais si on s'en va dans le domaine spirituel, je pense pas qu'on peut se rendre meilleur. Je pense qu'on va faire des changements superficiels parce que spirituellement, je pense que c'est juste Dieu qui peut vraiment
intervenir dans nos vies pour que notre changement soit significatif. Oui, puis significatif, là, tu peux le dire, Martin, parce que quand que Dieu change quelqu'un, c'est comme l'image de la chenille et du papillon déjà utilisée là, aujourd'hui. Bien, c'est un changement tellement radical que les intérêts de la personne changent. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, il dit, moi, je fais maintenant volontiers ce que je ne voulais pas faire sous la menace du fouet. Parce que la personne, tu sais, elle lisait la Bible, elle allait dans les rencontres évangéliques, elle priait, elle parlait de Dieu, elle faisait plein de choses qu'avant, elle ne faisait pas. Elle n'a jamais fait avant. Ah non, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est un peu comme le papillon, justement, qui, avec sa nouvelle vie, j'imagine s'il avait l'intelligence de penser à son ancienne vie, il n'aurait pas envie d'être là du tout. Alors, restez avec nous parce qu'après la pause, on continue de parler de cette métamorphose que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Moi, quand j'étais à 6e année, j'ai vécu beaucoup de rejets. Quand je suis arrivé au secondaire, j'ai fait toutes sortes de changements parce que je voulais être aimé, je voulais être accepté. Mais dans le fond, on travaille tous fort hein, pour essayer de régler les symptômes. Mais on ne va pas à la source du problème. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.